à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette vidéo live report du Brutal Assaut. Là on est sur la route, on est en train de s'enjailler en Meurthe-et-Moselle. On fera bien s'amuser en Meurthe-et-Moselle. Exactement, et on va surtout s'écouter quelques groupes qui passent, histoire de se mettre un peu dans l'ambiance du festival. Et on est bien parti là. C'est bon, on est arrivé à bon port, malgré le fait qu'on ait une Mini Cooper de location et on pensait jamais arriver. On a même récupéré un troisième singe pour passer ces 4 jours de Brutal Assaut. Voilà, 4 jours de débilité, on se retrouve à Paris. Chose promise, chose due, on est de retour dans notre merveilleux studio parisien pour pouvoir débriefer de cette 26e édition du Brutal Assaut. Et évidemment, avant de voir nos coups de cœur, nos déceptions, nos découvertes éventuelles, on va un peu vous présenter le festival pour ceux qui ne connaîtraient pas, ou au moins qu'on aborde un peu l'organisation, tout simplement, comment ouais. Ça se passe sur place. Clairement. Le Brutal Assaut, c'est un peu un classique des festivals métal de mi-août. 26e édition, comme tu l'as souligné, festival tchèque qui a pour particularité de se dérouler à l'intérieur d'une forteresse, ce qui rend les aménagements du site assez peu. Évolue pas quoi. D'un côté, ils ont mis en place l'organisation générale du site, ça ne bouge pas. Et tu peux pas faire bouger les murs par définition, mais c'est quand même un festival qui a masse de charme. C'est-à-dire que là où il y a beaucoup de festivals qui n'ont pas de personnalité parce que c'est un champ et t'as 4 scènes. Là, t'es quand même dans un cadre qui donne une certaine beauté au site et au concert d'ailleurs. Ça donne une super perspective, ouais. Clairement. Et au-delà même du site qui est hyper immersif, parce que t'as aussi forcément les remparts, les trucs comme ça et tout, tu te sens vraiment à l'intérieur d'un endroit assez unique. T'as une véritable volonté de l'organisation de proposer autre chose que de la musique, autre chose que du métal. Des fois, c'est des choses relativement intelligentes, comme mettre à disposition du public un cinéma pour... C'est vrai que le cinéma est assez cool, hein, surtout qu'en plus, la programmation était assez variée. Il y avait quand même un peu du film gore-horreur de troisième zone. Ah ouais, ça passe de Bedeviled à Commando, en passant par Hot Shot. Par Hot Shot, etc. Il y en a pour tous les... Commando, Blade Runner, il y avait quand même tout pas mal de choses. Il y a des classiques, des trucs assez pointus et tout. Et il y a des choses aussi parfaitement connes, comme des concours de mangeurs de piments. Mais ce qui n'était pas le moment le plus intelligent du festival, tout à fait, effectivement. Qui était quand même assez riche en bêtises. Il y a aussi une vraie volonté de... T'as un côté un peu roleplay aussi qui est quand même assez surprenant et assez marrant. Ils engagent des acteurs qui vont mettre des costumes, que ce soit des espèces de costumes de Nazgûl et faire des espèces de processions tout autour des remparts. Ou, des costumes à la Dark Souls ou à la Mad Max autour du bastion. Ils allument des brasiers... au-dessus des scènes. Il y a un petit côté théâtral en fait qui est ajouté. Mais, tout à fait, ouais, qui est assez cool. Et pour vous présenter le site, en fait, c'est assez classique au niveau de la répartition des scènes. Il y a 2 grandes main stages dans la partie principale qui sont côte à côte, hein, donc, et qui alternent évidemment toute la journée. À côté de ça, il y a une 3e scène qui s'appelle l'Obscur, qui est vraiment dans le fin fond du festival et qui correspond un peu à ceux qui sont allés au Motoculteur l'année dernière, par exemple, à la Suppositor Stage, donc vraiment dans une espèce de goulot. Un petit goulot d'étranglement, un tout petit peu pentu comme ça. Avec évidemment des remparts tout autour. Donc c'est vraiment une scène qui a beaucoup de charme, et surtout pour la musique extrême. C'est une scène aussi qui a assez changé, parce qu'à l'époque c'était une tente, c'était vraiment couvert, donc pour la pluie c'était pas mal.
à ce niveau-là. Après, là, bon, il a fait majoritairement plutôt beau. Donc, on a eu qu'un jour de pluie et trois jours ensuite de plein soleil. Ils ont rajouté un écran aussi. Un écran géant, c'est cool. Parce qu'elle est très vite blindée aussi pour y accéder. Et il y a une dernière petite scène qui s'appelle l'Octagone. Donc qui s'appelait l'Oriental à l'époque. À l'époque, il s'appelait l'Oriental, ouais, quand elle a été mise en place, parce que c'était quelque chose destiné vachement à des shows assez spéciaux, un peu périphériques au métal. Cult of Fire avait fait son show spécial en hommage à Smetana là-bas. Et on avait eu des groupes comme Furpa, des trucs de musique tibétaine, etc., avec des tapisseries et tout. Et mais en fait, maintenant, c'est devenu juste une petite scène en plus pour les trucs qu'on n'a pas réussi à caler durant des esthétiques aussi un peu beaucoup d'esthétiques doom post psyché et tout, parce qu'au final il y a Birds in Rome et ça Church of the Cosmic Skull etc. Mais elle a beaucoup de charme cette scène parce qu'elle est vraiment bloquée entre deux coursives, ce qui fait que vous êtes vraiment dans une espèce de cour intérieure au sein de la forteresse qui a vraiment, enfin ça a beaucoup de charme pour ce genre de j'imagine que Church of the Cosmic Skull, moi je l'ai pas vu, t'en parleras après, mais je pense que le côté enfermé au milieu des remparts devait vraiment avoir de la gueule. C'était claqué parce que la scène fait 4 mètres carrés, ils étaient 7, ils étaient mais le cadre, en tout cas... Le cadre était bien, ouais. Et puis surtout, il y a la fameuse Cal Stage, qui est donc la Keep Ambient Lodge, et en fait, qui est la scène destinée aux musiques, là aussi assez périphériques, avec du post-indus, de la néo-folk, arch noise, musique bruitiste, tous ces trucs-là, électroniques, et qui, après ces concerts-là, assez spéciaux aussi pendant la journée, se transforment en gros after gabber techno jusqu'à 6h du matin. Ouais. Donc ça aussi un très gros avantage du festival. Moi le point qui m'a c'est le plus, un espace qui est hyper inspiré aussi des festivals électro avec beaucoup de canapés. C'est une sorte de chill out. T'as mi lounge, mi dance floor. C'est ça, ouais, tout à fait. Moi ce qui m'a surtout surpris, c'était ma première édition du Brutal Assault, c'est ce côté, j'avais très peur que ce soit puisqu'on est au sein d'une forteresse, il y a des coursives, on est très limité, etc. J'avais peur que ce soit très qu'on se sente un peu oppressé, sous-entendu dès qu'il y a du monde, etc. Il y ait pas d'espace pour chiller, qu'on soit vraiment. Et en fait je trouve que c'est tout le contraire. Je trouve que par exemple le Bastion, qui est une espèce de place où il y avait plein d'endroits pour s'asseoir, des braseros, etc. Il y avait vraiment ce côté, on peut aller voir un concert, on peut chiller pendant une heure, on peut retourner voir un autre concert. Je trouvais que c'était hyper varié. Et du coup, tu avais vraiment ce côté, ce côté hyper équilibré dans la journée, dans la façon dont tu mènes ta journée, contrairement à certains festivals où que tu sois, tu as du bruit, tu as des scènes et tu peux jamais vraiment chiller où que ce soit. Et je trouve que ça, c'était plutôt vraiment, enfin, c'est plutôt très bien organisé à ce sujet-là. Il y a une très bonne gestion des foules, malgré le fait qu'il y a pas mal d'endroits exigus. Parce qu'il y a donc forcément des endroits à l'extérieur, mais pour passer de l'un à l'autre, des fois on passe par les couloirs de la forteresse et dans des espaces intérieurs. Globalement, on n'a pas eu de problème de circulation. Il y a des sens uniques qui sont organisés parfois, etc. Il n'y a pas eu de goulot d'étranglement, il n'y a pas de problème pour rentrer sur le site, il n'y a pas de queue interminable. L'organisation était quand même globalement... Ouais, c'est rodé, ouais. On va revenir sur quelques limites, mais c'est quand même très très bien. On peut d'ores et déjà les aborder, hein. De toute façon, les parties organisationnelles. Sur les aspects positifs, il y a quand même la nourriture. C'est quand même un point qui est hyper important au festival. Il y en a que ça peut agacer parce qu'il y a énormément de stands. C'est-à-dire qu'il y a peut-être, je pense, une soixantaine de stands de bouffe. Il y a des choses qui sont dupliquées. Mais globalement, il y a 60 trucs. Il y a un coin vegan avec plusieurs options, avec plusieurs offres, ce qui est quand même relativement chouette. Mais globalement, c'est d'extrêmement bonne qualité. C'est de bonne qualité, c'est quand même très varié. C'est pas le côté, comme dans certains festivals, vous allez avoir un gros stand qui peut enquiller tant de personnes à la minute. Là, c'est plein de petits food trucks, etc. Donc ça a ses inconvénients et ça a ses points positifs. Globalement, j'ai trouvé ça hyper positif. Voilà. Ça perd parfois un peu en lisibilité. Et c'est d'ailleurs le choix. C'est un peu ce qu'on voit d'ailleurs pour les boissons. Au niveau des prix, juste un mot, c'est quand même, ça a vachement augmenté par rapport à ce que je comprends. Petit point bouffe, il y a quelques années, le Brutal Assault, c'était un vrai Eldorado en termes de pouvoir d'achat pour les Français. On mangeait pour 5 euros, on buvait pour 1,20€. C'est plus si vrai. Ils se sont rendus compte en même temps que. En fait, on est sur un 8-10€ qui peut basculer vers 11€. Donc on est sur moins cher que des festivals français, mais on est plus si loin que ça. Pour des festivals en Europe de l'Est, ça reste ultra cher. Et d'ailleurs, il n'y a pas de surprise quand on a vu les chiffres des nationalités qui étaient au festival. Ce qui initialement devait certainement être un festival à 60% de Tchèques et peut-être de Polonais, aujourd'hui il n'y a plus que 30% de Tchèques, ce qui pour un festival local est quand même assez fou. C'est aussi certainement parce que le prix du pass a explosé. Le software de ma part, on était aux alentours de 170€ en offre de lancement, mais ils ont une logique où plus vous attendez, plus ça augmente. Et ça finit à 210€. Et 210€ pour 4 jours, c'est quand même très très cher par rapport au salaire moyen tchèque, et donc il y a quand même un impact. Même par rapport à d'autres festivals, type le Motocultor, c'est 169€, il me semble, un truc comme ça, pour les 4 jours. On est en France.
210, c'est effectivement pour le et en tout cas c'est ça. Et sur la nourriture, il y a manifestement voilà, les prix sont peut-être plus aussi avantageux. Ouais. Pour les boissons aussi, je crois que c'est un peu le cas. Les boissons, ça a augmenté aussi. Alors à l'époque, en 2015, quand je l'ai fait, c'était vraiment le paradis parce que c'était 1,10€ la Kozel en pinte. Et là, c'est vrai que ça a augmenté un peu. Après, ça a beaucoup moins augmenté que la bouffe. On reste autour de 3€ la pinte à peu près. Mais c'est vrai que je suis quand même un peu déçu de la qualité des crafts, enfin des bières en général. Il y avait aussi toute une communication comme quoi le festival allait proposer des bières craft qui sont franchement pas exceptionnelles. Ouais, c'était un peu décevant. Ouais. Et il y a un problème également de lisibilité, c'est que tous les bars ne proposent pas les mêmes consommations. Ouais. Et ça, c'est ultra chiant. Surtout qu'il y a certains bars, par exemple le bar généraliste, où vous pouviez prendre de l'eau, des sodas, du Red Bull, etc. On le retrouve par exemple devant les main stage et un autre endroit au Bastion. Et quand vous êtes entre les deux, bah, des fois vous dites « Ah bah non, là, il n'y a que des stands qui vendent de la bière ou des jus de fruits, donc il faut aller à l'autre. » C'est pas hyper clair, et surtout c'est pas forcément hyper bien affiché. C'est peut-être un des points de l'orga qui pourrait être amélioré. Tout à fait. Il y a des bars partout. Mais tous les bars ne proposent pas les mêmes boissons. Donc si vous voulez un coca, des fois, il faut que vous fassiez un quart d'heure de marche. Peut-être pas un quart d'heure, mais en tout cas, il faut quand même marcher. Il y a des Red Bull à côté, c'est assez particulier comme truc. C'est ça. Mais globalement, moi, le seul point négatif que j'ai retrouvé de l'orga, qui est un vrai point négatif, c'est que globalement, le premier jour, on a eu un peu de flotte jusqu'à mi-journée. Mais bon, le site était très boueux, mais au final, ils ont mis de la paille le lendemain, ça s'est plutôt bien géré. Moi, le seul problème que j'ai eu, c'était les points d'eau. Les trois jours qu'on a eu ensuite, il faisait très chaud la journée, très froid la nuit. Enfin, c'est vraiment le climat continental, comme moi. Mais du coup, il y avait deux points d'eau. C'est-à-dire deux points d'eau, il y avait deux citernes et avec une queue. Deux points d'eau potable. Les autres, on en a vu, on n'est pas mort. Peut-être ta grippe, c'est peut-être ça. Enfin, c'est peut-être pas une grippe. Mais voilà, il y a deux points d'eau, il y avait une queue. Genre, le dernier jour, t'avais une queue de 50 mètres en permanence toute la journée juste pour prendre de l'eau. Bon. Ça, c'est vraiment un des gros défauts de cette année, ouais, effectivement. Et peut-être le dernier point négatif qu'il faut aborder, c'est le DLC. C'est l'aspect festival DLC tout qu'il faut évoquer quand même. Mais avant ça, moi je trouve que sur le Running Order, le fait de... En fait, les deux main stages permettaient... Enfin, il y avait un chevauchement entre les deux main stages, un truc très classique à la Hellfest. En revanche, l'Obscur et l'Oriental se mettaient pile entre les deux concerts, ce qui rendait le festival encore plus compliqué pour faire des choix. C'est-à-dire que tu dis, est-ce que je regarde 20 minutes du début de ça avant de retraverser le site, ce genre de choses. Moi, je suis plus partisan des trucs, encore une fois, comme à la Hellfest, c'est-à-dire des horaires. Tout se chevauche, en fait. C'est ça, des horaires bien alignés, bien. Commence en même temps, ça finit en même temps. Plutôt que de se dire, je commence, je fais 20 minutes de ça, ok, c'est le moment où je dois me barrer, je suis un peu sûr, je regarde un peu tout le temps mon tel pour pas rater le début de ça. Ça, c'est chiant, en fait. Là où la plupart des festivals font des alternances, il y a deux scènes qui jouent, puis deux autres, deux scènes, etc. Là, vous avez les deux main stage, effectivement, qui jouent en alternance, et les autres qui, parfois, sont plus ou moins sur le même créneau, des fois, qui sont pas dessus. Et c'est vrai que, du coup, ça crée de la complexité. Et d'ailleurs, quand vous récupériez votre passe, vous aviez un petit programme avec un tour de cou qui vous donnait. Même le programme était illisible, parce que vous aviez les main stage sur une page, puis vous aviez l'obscur sur une autre, et enfin, vous aviez la dernière scène sur le dernier. Clairement, surtout, il n'y a pas les temps de... Ça, c'est le truc le plus scandaleux. Il n'y a pas les temps, pas les temps de fin de set, donc tu ne sais pas trop à quel moment tu peux partir, exactement, pour assister à quel autre... Mais en revanche, ils compensent par une application qui était hyper bien faite, où vous pouviez sélectionner tous les groupes auxquels vous alliez, et de dire, quand il y a des groupes qui se chevauchent, celui-là, je vais recevoir une notification, celui-là, non, et vous receviez des notifications, etc. Donc, il y a ce problème d'orga, mais l'appli était hyper bien faite, et du coup, ça permettait quand même de voir ce qu'on voulait voir. Et je suis d'accord avec toi, il y a cet aspect un peu... Moi, tu courais un peu entre les scènes parce que tu pouvais pas tout voir ce que tu voulais. Après, c'est vrai que là, cette année, je crois que c'est un record en termes de groupes sur l'affiche. Il y a plus de 150 groupes et il me semble que le festival avait effectivement mentionné que c'est la première fois où il y en a autant à l'affiche. Donc, c'est pour peu que vous brassiez un peu large au niveau des styles, il y avait beaucoup trop de trucs à voir. C'est des journées, ça faisait du 13h, 3h du mat. Surtout qu'on en parlera après, mais l'affiche était quand même très belle cette année. Ouais. Donc, il y en avait pour tout le monde, en fait, vraiment, dans les genres extrêmes. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'options à prendre en plus. Ah bah c'est ce que disait, c'est le festival DLC, hein, c'était l'expression que tu as utilisée. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que vous achetez un pass de base avec un prix progressif. Donc déjà, au niveau des prix, il n'y a pas une lisibilité de ouf. Et il faut savoir que tout est payant en plus du pass. C'est-à-dire que le pass festival vous donne accès au festival et c'est tout. Vous vouliez aller au camping payant, vous payez le camping. Vous voulez des casiers, bon ça c'est comme au Hellfest, vous repayez des casiers. Le parking est payant, en fait, et dernier point, en face des main stages, il y a une espèce de petite butte comme ça qui permet d'avoir une vue panoramique. Ça fait partie des gros avantages du site, c'est que dans cette forteresse-là, en face des deux main stages, il y a cette espèce de colline qui à la base était gratuite, c'était vraiment un endroit où tu pouvais aller te poser pour voir les concerts principaux. La deuxième année où j'y suis allé, c'était 5€ l'entrée, et là cette année c'était
30€ pour pouvoir accéder à, juste à ce spot-là dans le festival. Et il y a même d'ailleurs au-dessus des deux bars qui sont des régies en fait, qui sont au-dessus, en face des main stage, vous aviez également une possibilité de monter sur les régies qui vous donnait effectivement manifestement une vue très belle, mais là on passait à 71€ pour tout le festival. Et en termes d'absurdité, je pense que le pire c'est les toilettes payantes. C'est-à-dire qu'il y a des toilettes qui étaient gratuites. Assez nombreuses d'ailleurs pour le coup. Tout à fait, des toilettes chimiques de, mais les de chantier. Exactement, peu hygiéniques forcément, et à côté. Il y avait des toilettes un peu en dur, avec nettoyées fréquemment, mais dont le. Comme une gare en fait. Le, ouais, genre, l'accès était payant. Et c'est quelque chose. En même temps, d'un côté, on peut le comprendre que quelqu'un qui n'a pas besoin de parking ne le paie pas ou ce genre de choses, que chacun fait comme il le veut. Même pour des questions de trésorerie, c'est aussi pas mal de se dire que tu prends le pass un mois, le camping le mois suivant, le parking le mois suivant, etc. Ouais. Mais juste, c'est chiant en fait. Il y a ce côté où en fait tu dois vraiment penser à ton organisation, ouais, putain, ce dont tu as besoin, ce genre de choses. On en avait parlé dans notre vidéo de Le Vivement Dimanche sur les festivals. Ouais. C'est qu'en fait, des fois, soit vous payez plein pot qu'un festival comme le Hellfest, et ensuite tout est gratuit. Donc c'est sûr que si vous n'utilisez pas le camping, que vous n'utilisez pas les navettes, vous avez l'impression de vous faire avoir parce que vous avez payé très cher pour des prestations que vous n'allez pas utiliser. Mais d'un autre côté là, si vous étiez quelqu'un, vous veniez à deux, il fallait payer le parking, sur le parking 1, ça devait être aux alentours de 40€ pour le week-end. Vous payez ensuite le camping, c'était également payant si vous ne vouliez pas avoir le camping sauvage autour. Bah en fait, vous payez en permanence, et au final, le prix de votre pass, bah ça va plus être très loin d'un prix d'un pass d'un Hellfest qui est 180, qui va être à 180 groupes ou 170 groupes sur 4 jours, et en France. Et là, vous êtes en République tchèque où les coûts sont censés être bien moindres. Donc en fait, au final, il y a quand même ça représente quand même un coût si jamais vous voulez bénéficier de toutes ces prestations complémentaires. Si vous rajoutez 30 balles pour aller sur la colline ou 70 pour aller sur les régies, plus parking, plus machin, plus casier et tout, ça monte très vite. Ouais. Après, la contrepartie de tout ça, et on rejoint un peu ce qu'on disait sur le fait que l'orga est quand même très très bonne et que le site est hyper original, c'est quand même, pour en revenir aux conditions de concert, c'est la première fois que je vois un festival où le son a été aussi bon, d'une manière générale, sur les 4 jours. En open air. Il y a eu des concerts où le son était un peu moins bon, etc. Mais c'est quand même la première fois où, dans quasiment tous les concerts, on discerne la basse. C'est juste incroyable. Hein. Je crois que j'ai jamais entendu un son aussi bon, par exemple, pour In Flames. Les lights étaient un peu moins bonnes que ce qu'on peut voir dans d'autres festivals. Je pense qu'ils sont un peu limités par la technique et par la taille des scènes. Mais vraiment, pour moi, le son, c'est un immense point positif. On en reparle ensuite. Ouais, c'est une des constantes du festival au Brutal Assault, avec quelques autres open air en Europe, mais pas beaucoup. Le Partisan, quelque chose comme ça. Mais sinon, le Brutal Assault, c'est vraiment un exemple en termes de son. Et aussi, pour ce qui est des main stage, les enchaînements, c'est vraiment 5 minutes de battement. Il n'y a pas trop de temps d'attente au niveau des balances. Elles sont vraiment hyper carrées. Et tu passes d'un concert à l'autre si tu restes un peu à cet endroit-là. Tout à fait. Il y avait des groupes qui ont tout le temps, mais systématiquement, des sons atroces. Et là, c'est la première fois que je les vois dans des conditions vraiment bonnes. Mm-hmm. Je pense à Anal Natrak, qui a vraiment cette dimension hyper fréquemment bouillie. Et là, c'était hyper super lisible et tout. C'est très surprenant pour... Et c'est notamment parce que je pense que la batterie était particulièrement bien réglée dans pas mal de concerts. Et Anal Natrak en fait clairement partie. Où il n'y avait pas cette espèce de nappe de batterie brouillonne qui peut détruire le son avec des mids sursaturés. Là, c'était pas du tout le cas. Donc vraiment, moi, le son, c'était le très gros point positif de cette édition. Bon, en ce qui concerne les coups de cœur, il y en a quand même pas mal de choses à dire, parce qu'il y a quand même eu pas mal de bons concerts. Je sais qu'il y a eu pas mal, tu pourras en parler après, il y a eu pas mal de concerts qui étaient bons sans être exceptionnels, mais qui restaient quand même très bons. Mais il y a quand même eu quelques coups de cœur communs. On peut peut-être commencer par parler par Immolation, qui est quand même une belle claque dès le premier jour d'ailleurs. Ouais, si de manière générale, il y a une très très grosse allonge en death, ouais. Avec pas non plus des groupes, à part Decide et Dismember, des groupes trop rares. Un peu tous les vétérans qui passent tout le temps, Obituary, Crision, Immolation. Dying Fetus aussi également. Dying Fetus aussi, ouais. D'autres, on parlera un peu plus, mais. Ouais, c'était. Globalement, c'est la raison pour laquelle j'ai assisté à cette édition, c'est qu'il y avait beaucoup de mes groupes préférés, une très grosse affiche death avec beaucoup de mes groupes préférés au même endroit. Donc même si c'était des trucs déjà vus et revus, c'était vraiment l'occasion de se refaire un carton plein. Je vais vous laisser aborder Immolation parce que moi, il y a quand même un. Malheureusement, il y a quand même quelque chose qui m'a chiffonné sur ce. Bah, on a tous ressenti la même chose. C'est le concert était hyper massif. J'écoute assez peu sur album.
Mais en live, c'est toujours hyper cool. Et là, ça m'a confirmé. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que déjà le charisme des gonzes est assez fou. Le son était vraiment exceptionnel. Mais tu vas certainement le dire, effectivement, les deux coupures de fin de set. Effectivement, ouais, c'était moi, c'était comme d'habitude. Hein, c'est un groupe que j'ai vu plus de 10 fois. C'est un de mes groupes préférés, vraiment de musique. Et comme d'habitude, j'ai adoré. Mais malheureusement, voilà, sur à la fin de Under the Supreme, en plus qui joue pas très souvent, et pendant Destructive Currents de Atonement, il y a eu deux coupures de son. Mais vraiment. Total, et ça a complètement cassé la dynamique du concert. Quoi. Ouais, et puis voilà. Ça a un peu, j'imagine, écourté un peu la fin du set aussi, donc ouais, c'était un peu ouais. Le point, et c'est dommage parce qu'on était clairement sur un des concerts du Fest, ça restait un des concerts du Fest, mais il y a quand même eu un peu cette dynamique coupée, et Dayside qui était énorme aussi quand même. Dayside, c'est sûrement mon concert du Fest, malgré le fait que là encore, bon, c'est un groupe que j'ai déjà vu et tout, mais c'est, il y avait la grosse exclusivité... cette tournée européenne qui fait qu'il joue le deuxième album en entier, Légion, dans l'ordre. Donc, en entier, c'était parfait. Il n'y avait aucune transition, ça s'enchaînait, mais de A à Z. Et après, deuxième partie de set avec deux morceaux du premier album, trois morceaux de Once Upon the Cross et un final sur Homage for Satan. Vraiment, la setlist était dingue. Et zéro communication avec le public. J'ai adoré. Vraiment, il y a eu une seule intervention de Glenn Benton. Je crois que c'était avant Revocate the Agitator, où il a juste balancé un truc genre Alright, ou un truc comme ça. Vraiment, ça. C'était mais génial, il n'y a eu aucune communication, ça a enchaîné, ça a déroulé. C'était monolithique, vraiment ouais, monolithique. Au point qu'ils ont fini 20 minutes avant le set, enfin le temps de jeu donné. Ouais, parce que ça enchaînait, mais vraiment à la Ramon, genre 2 secondes de pause, hop, ils remettent un morceau derrière. Et ils ont fait l'enchaînement qu'ils faisaient sur les tournées d'avant, où ils faisaient 4 morceaux. D'affilée en accéléré, sans transition. Ils l'ont fait juste à la fin, entre un morceau du premier album et Homage for Satan, où vraiment on a juste pas vu la transition tellement ils ont enchaîné rapidement. Je m'excuse auprès de la fille qui était devant moi, que j'ai assommée sans faire exprès. je sais même pas si elle parle français, mais enfin, désolé. Le public était assez débile. Tout le monde était possédé. Et puis Glenn Benton, quand même, putain, cette bête sauvage, quoi. Vraiment, il se bavait dessus en chantant. C'est un ours. Avec les yeux révulsés et tout, enfin vraiment c'était incroyable à voir quoi. Et puis le deuxième guitariste qu'ils ont recruté là il y a pas très longtemps, je crois qu'il y a 1 ou 2 ans, il s'est pas chié sur le solo de Homage for Satan de Ralph Santola, parce que ça c'était un des petits défauts des tournées précédentes, c'est que les nouveaux guitaristes arrivent juste pas à rejouer les leads de Santola, et là pour une fois c'était bien. C'était plutôt clean, ouais. En tout cas, ça fait clairement partie des grosses prestas du week-end. C'est mon concert du festival, hein, je pense. Tout simplement. Ouais. Et on en a encore 2 en commun, surtout nous deux d'ailleurs, pour le premier, qui est Meshuggah. Meshuggah, pour moi, c'est pas un coup de cœur, c'est plus une découverte. Ouais. Enfin, bien évidemment, je connais le groupe au moins de nom, parce que, comment ne pas le connaître. Mais je suis vraiment pas friand de Gent, et j'ai un pote qui m'a tanné, qui m'a dit « Mec, il faut absolument que tu vois Meshuggah dans ta vie, vas-y. » J'avais rien de mieux à faire, j'y suis allé. Et incroyable, vraiment. C'était hyper bien. Parpaing, gros mur de son qui t'arrive dessus, très très chouette. Visuellement, ça tient la route. Et le son, encore une fois, on en revient, le son était excellent. Là où au Hellfest, sous la tente, c'était parfois un peu compliqué, là le son était vraiment ouf. Ouais. Et du coup, bah, pour un groupe comme ça, en fait, c'est un prérequis, en fait, c'est obligatoire. Et Même moi qui suis pas fan du groupe, j'ai assisté à une bonne partie du concert, et effectivement, je pense que c'était... sinon le meilleur son, en tout cas un des meilleurs sons du festival. Et puis j'aime beaucoup aussi Meshuggah en live, l'aspect très, très extraterrestre avec les jeux de lumière à contre-jour. Ah oui. Et le chanteur chauve qui se déplace un petit peu en mode humanoïde. Voilà, c'est très visuellement, c'est impressionnant, avec des espèces de colonnes de lumière. On a l'impression qu'il y a une soucoupe volante qui va les aspirer avec des strobos de temps en temps et tout. C'est vraiment très stylé. Des strobos d'ailleurs, c'était super marrant parce que quand le concert a commencé, vraiment 1 minute 30 plus tard, il y a 4 tchèques qui me bousculent et tout. Une meuf inconsciente dans les bras. Faut pas être épileptique. Ça commence. Ouais, non, faites un peu gaffe à vous, mais là-dessus, c'est... vous savez, il y a un peu des groupes. Même si on n'écoute pas sur CD, on a toujours plaisir à les voir en live. Et ça en fait si vous n'êtes pas fan de Gent, vraiment dépassez ça, parce que ça vaut le coup. J'en suis vraiment l'exemple, et Benjamin aussi, quoi. C'est vrai que c'est plus ma cam d'habitude que la vôtre. Que la nôtre, clairement, mais c'est ultra chouette. Le truc était fou, et je pense qu'on a une quatrième qui est vraiment comme un accord en commun, c'est Dying Fetus. Alors, c'est toujours bien. Là, c'est vraiment sans surprise, quoi. C'était sans surprise, mais ce que j'ai trouvé dingue, c'est que d'habitude, vous revoyez 10 fois Dying Fetus, à part la setlist qui peut un peu bouger, c'est quand même toujours le même show. Et là, c'est la première fois où on voit des mimiques sur scène, ah oui. Où on a vu un peu de mouvement.
Mec, franchement, tu les vois bouger, tu les vois taper un sourire et faire du headbanging, ça n'arrive jamais. Genre, c'est quand même pas le groupe le plus mobile. Il y avait le côté un peu fonctionnaire, de base, ils arrivent, ils font leur truc, ils se rebarrent. Planté derrière le micro et terminé. Et ouais, là, en fait, il y avait quand même du mouvement sur scène, et c'était assez étonnant. Ouais, moi, ça m'a déstabilisé un peu. J'imagine, j'avoue. Mais qu'est-ce déjà que c'était la première fois que je voyais John Gallagher avec une barbe et des cheveux. Oui. Alors, d'habitude, c'est tout le contraire. Là, en plus, il se mettait à bouger, il souriait. À sourire. On l'a vu sourire. Je pensais pas qu'il avait des dents, en fait. Je commençais à avoir des doutes. Et c'était vraiment un show, le public était absolument fou. C'était vraiment un gros moment. Ouais. C'est là où j'ai eu le plus de bleu du festival. mais j'étais vraiment, c'est encore une fois, je vous le disais la dernière fois, mais ça m'a vraiment ému la fin de set parce que c'est bizarre de dire ça pour Dane Fetus, mais dans le pit il y avait vraiment de tout. C'était il y avait autant des espèces de vestes à patch qui pitent trou avec du trash, speed heavy, etc., que des gros fans de death metal, que des types en mode maillot de foot hardcore, des trucs de Malvolence, que des gens en touriste en tong, il y avait vraiment tous les profils, et c'était tout le monde se mettait sur la gueule, enfin c'était trop beau. C'est peut-être le concert d'ailleurs qui a uni le plus de publics de genres différents. Ah ben c'est la grande famille de la bagarre. Hein. C'est vraiment ça. Obituary aussi. Obituary aussi, ouais. Effectivement, qui était assez, assez varié, quoi. Donc ça, c'est un peu pour les coups de cœur communs, où on a tous plus ou moins. Après, on a évidemment des coups de cœur personnels qui dépendent un peu de nos goûts. Benjamin, si tu veux commencer. Ouais. Alors moi, je vais commencer par un de ceux que j'attendais le plus, mais que j'avais forcément déjà vu, c'était Sodom. Mais en fait, j'attendais ce show en particulier, parce que depuis un petit peu avant le Covid 2019, ils ont changé le line-up, et ils ont rajouté une deuxième guitare. Ce qui est, mais c'est le jour et la nuit, en fait. Sodom, il y avait vraiment un truc qui manquait en live, c'était une deuxième guitare. Le son était toujours pas terrible. Et en plus, c'est Blackfire, qui est l'un des gars qui était sur Persecution Mania et Agent Orange, tous les grands albums des années 80. Donc en plus, il vient chanter, en plus de Tom sur scène, il est à fond, il descend aux barrières et tout. Et là, cette liste, du coup, très orientée années 80, justement. Donc c'était un des shows que j'attendais, même si j'avais déjà vu le groupe. Et effectivement, j'ai adoré. Par contre, il manquait quelques petits trucs, il manquait un Christ Passion, il manquait un Osgobond, il manquait quelques trucs comme ça. Mais sinon, voilà, Nuclear Winter, Bombenagel, enfin vraiment tous les gros gros classiques que j'adore. Par contre, il y a quand même un petit point noir, c'est que les Tchèques, ils savent que tourner en rond. Vraiment, c'est pas possible. Ouais. Quoi. Ça a été vraiment une constante pendant tout le festival. J'avais oublié à quel point les Tchèques, ils savent que faire des circle pits, quoi. Il n'y a pas vraiment de grosses bagarres, c'est vraiment... même quand au début, il y a un espèce de mosh pit un peu normal, inévitablement... Ça commence à tourner. Il y a une espèce de force centrifuge comme ça qui se met en place. Et c'est incroyable, quoi. C'est inconscient presque. Et au bout de 4 jours, j'en avais plein le cul, quoi. Vraiment. C'est le seul... T'avais 50 tours de stade, ouais, 50 tours de forteresse. Ouais, c'était... Ça a entretenu ton cardio, tu vois. C'est le bon point, quoi. À vous, peut-être un autre... histoire de varier un peu. Ouais, surtout que ça n'a pas tout à fait les mêmes goûts. De mon côté, il y en a deux en Death Mellow. Je mentionne pas In Flames, qui est un coup de cœur permanent, donc ça vaut pas le coup de le mentionner. Il y avait Orbit Culture qui passait sur l'Obscur, qui est vraiment un groupe. C'est un mélange de Melodeath avec un peu de, je sais pas, de groove metal, on pourrait le dire. Presque parfois des certains riffs un peu heavy. Je les avais vus en première partie d'In Flames au Bataclan il y a quelques mois. Je les suis sur CD, d'ailleurs ils ont un nouvel album qui sort dans quelques jours. Et vraiment, c'était excellent en live. Le public était vraiment à fond dedans, qui connaissait les paroles, donc j'étais assez étonné de voir qu'il y avait une ferveur autour d'un groupe qui est quand même pas très connu pour l'heure. Donc ça, c'était vraiment un des coups de cœur du festival. Ensuite, il y avait Bellacor, ça j'ai pas besoin d'en dire beaucoup, hein, je les ai vus, c'était seulement la deuxième fois que je les voyais, la première fois c'était au Summer Breeze en 2010, c'était leur première date européenne si je dis pas de bêtises, donc ils sont rarissimes, en France ils viennent jamais, et même en Europe c'est quand même pas très fréquent, donc vraiment un gros plaisir de les voir. Et le dernier que je mentionne, parce que t'es concerné aussi, c'est Midnight. Ouais, on peut faire un petit point Midnight, ouais. Show ultra énergique. C'était fou. C'était vraiment bien. Après, moi, c'est la deuxième fois que j'ai voyé. La première fois, je les ai vus au Hellfest à 13h. J'avais pas kiffé tant que ça. Les conditions étaient pas réunies. Ouais, c'était sympa sans plus. Ouais. Exactement. Ouais, voilà, et là, en conditions quasiment bas de nuit, hein, c'était en pleine nuit. Les lights étaient vraiment cool. La dynamique était folle. La taille de scène est absolument parfaite pour eux. C'est ni trop grand ni trop petit. C'était c'est vraiment... un trio. Vu que c'est hyper mobile, ils occupent à mort la scène. Il y a le côté très pose, très. Ouais. Voilà, il y a une bonne dynamique aussi, vu que c'est deux vocalistes. C'est-à-dire que le bassiste et le guitariste s'enchaînent les passages de chant. Donc il y a une vraie osmose sur scène. Il y a juste, moi, pareil, c'est pas mon concert du fest. J'ai trouvé que la première fois au Metal Méan, c'était quand même bien plus vénère avec le cassage de guitare à la fin. Là, il a arraché des cordes. À la fin, il est descendu dans le public, il a arraché des cordes, il les a balancées. Mais voilà, il manquait des morceaux, des classiques, il manquait quelques trucs. Mais le concert était quand même très bien, ouais.
ça se bagarrait dans la fosse et tout. Surtout, ils arrivent à trouver un bon équilibre de. Tu vois, c'est... il y a un peu un jeu de pause. C'est-à-dire qu'ils vont tout en premier rang, ils sautent, ils montent leur guitare, ils font des trucs. Ouais. Mais en fait, c'est jamais cheap ou too much. Tu vois, c'est pas un groupe de power metal où à la fin tu fais allez, c'est bon. Ouais, c'est pas outrancier. Exactement. Alors que pourtant, ils sautent dans tous les sens et tout. Et je trouve qu'ils ont le juste équilibre de ce qui est cool. Et pour moi, c'était vraiment une des prestas du week-end. Tout à fait. Pour moi aussi. Moi, j'étais principalement venu voir un groupe qui s'appelle Church of the Cosmic Skull, qui est une espèce de truc de rétro-rock. C'est assez difficile à décrire dans le sens où ça pioche un peu, ça bouffe un peu à tous les râteliers. Il y a du Black Sabbath, il y a de l'ABBA, il y a du Queen, il y a un peu de Thin Lizzy. Et ambiance incroyable. Enfin, c'est un groupe que je suis vraiment depuis ses tout débuts et la scène était ultra blindée. La scène de l'Octogone, comme on l'a dit, qui était au cœur de la forteresse, ça a certainement donné une dimension, même si c'était un peu serré. Il y avait deux choristes, les gens reprenaient les titres. Il y avait vraiment un truc de communion qui marchait très bien. Bah ouais, moi, je sortais de Benediction, Death Old School anglais, et je suis arrivé là-dedans. On était dans une congrégation de hippies en 68. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout le monde levait les mains, se déhanchait et tout. Et vraiment, plein de gens dans le public connaissaient les paroles. C'était impressionnant. Quoi. Et tu sais, tu parlais d'émotion pour Dying Fetus. Moi, c'était un peu pareil. C'est que quand ils ont quitté la scène, ils sont revenus enlever leur matos. T'avais 150 personnes qui continuaient à leur gueuler dessus, genre one more. Et tu voyais que. Ouais, il y avait les sourires. Ils baissaient un peu les yeux, ils essayaient de cacher leur sourire et tout. Ouais, il y avait un vrai, vrai plaisir d'être ici et ça fait plaisir. Bah, sur cette scène, moi, j'ai vu aussi, dans ceux que j'ai beaucoup aimés, c'était un des groupes attendus aussi de cette scène-là, c'était Spectral Wound, qui est donc une des grandes sensations black metal là, de ces deux, trois dernières années, avec donc leur album là, qui est sorti pendant la période Covid, je crois, et qui a beaucoup, beaucoup marché. Un truc un peu à la Sargeist, avec des incursions un peu forteresse des fois, enfin je crois que c'est des Canadiens en plus. Ouais, c'est des Canadiens. Et donc ils sont pas très très courants non plus en live, ils ont fait quelques dates en Europe mais pas beaucoup, et le son était excellentissime globalement, le son sur le festival est très bon, j'ai trouvé que c'était sur la petite scène où le son était vraiment excellent de A à Z, et en particulier pour ce set là, surtout que c'est du black metal, donc c'est pas, si le son est brouillon c'est souvent un show à chier, et là c'était vraiment très très bon. Quand ils ont joué Frigid and Spellbound, là, le deuxième morceau, il y a eu une espèce de clameur dans le public, mais vraiment, et je vois très rarement ça en live, surtout pour du black metal, et j'ai vraiment l'impression que ce morceau-là est en train de devenir actuellement un des tubes de black metal contemporain. C'est vraiment, ce groupe était très 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 attendu, alors que c'est pas un Mayhem ou un Marduk ou un truc comme ça, quoi. Donc vraiment un des très très gros shows du festival. Ils ont joué un nouveau morceau qui est très bagarre, qui est très touka-touka skank beat, et d'ailleurs j'avais peur que ça se mette à pogoter pour un concert comme ça, j'ai eu un peu peur, mais finalement le public était assez... Pas de circle beat non plus, c'est bon. Alors là, mais non, vraiment très très bon, ouais. Et sinon, pour finir sur cette scène-là, j'ai vu Prophetus, qui était une de mes grosses attentes du festival, c'est du Funeral Doom finlandais, pareil, ça joue pas beaucoup en dehors de la Finlande, et donc pareil, ça jouait sur cette scène-là. Il aurait fallu que ce soit de nuit parce que ça s'y serait prêté beaucoup mieux, mais là c'était surtout que j'ai fait une cascade un peu vénère, c'est que j'ai fait Napalm Death, Prophetus, Napalm Death, donc c'est vraiment from Grindcore to Funeral Doom, c'est ne faites pas ça chez vous. Ouais, faut se mouiller la nuque, et c'était vraiment ils ont joué que 3 morceaux évidemment, alors qu'en face Napalm Death en ont joué 50 plus ou moins, mais ce qui est bien, c'est que quand ils annoncent le dernier morceau après une demi-heure, il y a personne qui fait oh non machin, parce que les gens savent que c'est du Funeral Doom et que ça va durer 25 minutes. Donc c'était ils ont fini sur Blood of Saturn, je crois, et la voix du chanteur très 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 profonde, l'attitude très concentrée, très solennelle et tout, comme souvent dans le Funeral Doom, et vraiment très bon moment. Je suis content de les avoir vus. Ouais, sur la même scène t'as eu aussi j'ai vraiment eu grand plaisir à les voir, parce que c'est un groupe que j'ai à chaque fois j'étais déçu. Je les voyais soit le matin en festival et c'était nul. Je les ai vus aussi au Glazart avec les aléas de son qu'on connaît. Et là, les voir sur une vraie scène avec un vrai son. Ah, le son, incroyable. Je suis pas resté, la nuit en plus, c'était vraiment très très cool. Et en plus, pareil, petit instant émotion, les types étaient là et disaient en fait, nous de base, on venait à ce festival en tant que public, on y joue, c'est incroyable. Enfin, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. C'était vraiment, vraiment mortel. Après, voilà, en termes de répertoire, mais ça, c'est assez inégal. Le dernier est vraiment pas terrible. Mais globalement, c'est un groupe avec qui j'étais assez fâché en live. Et c'est un peu réconcilié. Ouais, tout à fait. Ouais. Je sais que je les verrai jamais aussi bien, dans d'aussi bonnes conditions. Tu vois. Voilà.
Pour finir sur une note un peu moins intelligente, parce que là vous avez cité des groupes un peu trop intelligents, on peut quand même parler de Lionheart. Lionheart, qui a fait quand même un concert incroyable. Ah, alors ça, c'est votre domaine, je vous laisse développer. C'est notre domaine parce que c'est débile, c'est ça. Ouais, non, non, mais je me défends, mais. C'était parfaitement con. On pourrait le résumer comme ça, c'est-à-dire que c'était la juste dose de débilité dont on avait besoin, et en même temps le show était hyper carré, full énergie. Il y a ce côté hardcore à l'américaine, ouais. Rien ne dépasse, enfin il y a une envie de bien faire, mais en même temps ils sont cons quoi. Ils veulent bien faire, mais ils sont bêtes, ils sont, enfin fondamentalement tu les vois, ils ont des têtes éteintes, enfin c'est abusé. Il y a du regard un peu bovin, mais honnêtement c'était un concert vraiment cool. Je les avais déjà vus au Hellfest, je trouve ça sympa. Comme du hardcore comme ça, tu t'attends, voilà, tu bouges, etc. Mais là j'ai trouvé ça vraiment bien. C'est la première fois où je suis resté scotché tout le concert en me disant. Moi j'aime bien le répertoire, tu vois. Il y a toujours un problème, c'est que ils jouent pas les trucs à l'ancienne, genre les Bullet on Struggle, tout ça et tout, mais même sans ça, c'est un groupe que j'ai lâché depuis 5-6 ans. Je connaissais encore tous les titres, enfin c'est vraiment vraiment très chouette. Et c'est un peu une sorte d'ovni dans la programmation, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de hardcore moderne à part Terror, et les gens étaient quand même... Et encore Terror, ça reste... Ouais, c'est un peu entre les deux, quoi. Moderne, mais... Putain, c'était la cour des miracles, le pit de Terror, c'était vraiment... clairement, ouais. Je suis passé dedans, c'était à voir, ouais. Mais en tout cas, voilà, pas mal de coups de cœur, et puis maintenant, on peut passer aux déceptions, ça va être la partie un peu plus négative. Alors les déceptions maintenant, globalement ce qu'on a dit c'est que la qualité des concerts était quand même supérieure, on va dire, franchement c'était hyper bien, mais il y a quand même eu quelques petits points de déception. Moi le premier c'est Ingested, j'aime beaucoup le groupe sur album, le côté un peu death, voire slam death sur certains relents, là c'était vraiment le carnaval, c'est-à-dire que première chanson, il demande à ce qu'il y ait un wall of death, le deuxième c'était tout le monde s'assoit et saute, le troisième c'était je veux le plus grand circle pit du festival... Il y a ce côté un peu cliché du métal moderne, tu vois. Ouais, et je trouvais que c'était too much. J'avais beaucoup aimé leur presta quand ils étaient en première partie de Cannibal Corpse et Dark Funeral, c'était assez cool. Mais après, c'était en première partie, tu fais pas ce que tu veux en salle. Mais là, c'était vraiment trop. C'était, on est devenu. Ouais, ils passent le BAFA. Hein. C'est exactement ça. Et ouais, ça m'a un peu coupé de la presta, et c'est dommage parce que c'est un groupe que j'aime bien. Il y avait Artificial Brain aussi, que j'attendais beaucoup. Parce que c'est quand même un groupe que j'écoute beaucoup sur album. Et il y a un peu de déception parce que déjà, quand on les voit sur scène, on se dit, mais c'est quoi ce line-up? Je reconnais absolument personne sur scène. Donc il y avait la moitié des gars qui sont pas là. Il y a Mike Paparo d'Inter Arma, qui est le chanteur live d'Artificial Brain. Du coup, t'as pas la même voix, c'est pas du tout pareil. Et moi, ça m'a un peu déçu parce que c'est mon côté, j'aime bien retrouver en live le son sur l'album. Les voix et le truc, je sais que c'est un défaut. Hein, mais et là, du coup, ça m'a un peu coupé de la presta. C'est un peu dommage en tout cas. J'ai pas trouvé ça si horrible que ça, mais c'est vrai que ça m'a vachement déstabilisé. Pareil, il y avait que le gratteux de gauche qui était là, et peut-être un autre, le bassiste, je crois. Mais c'est vrai que... Et après, le fait que ça ait joué entre 2 et 3 heures du mat, ça a pas aidé. Non, ça rend tout le monde était claqué. Ça a clairement pas aidé. Et Mike Paparo est un peu bizarre sur scène. Tu sais, il a des mimiques, il bouge. Il me décontenance un peu, tu vois. Quand je l'avais vu avec son autre groupe, Interama ou Hellfest, j'avais déjà trouvé hyper bizarre. Et là, ça a pas dérogé à la règle. Donc, on va dire, c'est une micro-déception. C'est pas genre une catastrophe, mais c'est quand même une micro-déception. Et sinon, pour rester dans le death un peu technique, il y avait Hevingers, qui est un groupe que j'adore sur album, qui vient de sortir à nouveau là, l'an dernier, et qui a, pareil, changé pas mal de membres du groupe. Le chanteur, je l'ai pas reconnu, c'est un gars qui a dû arriver cette année. Si le micro était légèrement décalé, on l'entendait plus. Il avait eu un rôle vraiment assez faible. Et là, cette liste était majoritairement centrée sur le dernier album. En plus, le fait que voilà, ça joue en pleine journée, sur un tout petit créneau, sur la petite scène, etc., c'était pas terrible. Malgré un son toujours aussi bon sur la Octagone, justement. Par contre, la seule exception à ce niveau-là, c'était Concrete Winds, où c'est un des rares mauvais sons du week-end, sur cette petite scène en plus, qui est normalement très très bonne à ce niveau-là. Là, ils ont joué vraiment à 14h en plein cagnard. C'est du death ultra bestial, vraiment très, très bagarre. Personne n'a bougé de tout le concert. Les gens étaient claqués. Il y avait de l'insolation, à mon avis, dans la moitié du public. Et puis le son était vraiment très, très, très brouillon, quoi. Donc ça, c'était mon autre petite déception dans les petits groupes. Ouais. À propos de mauvaise ambiance, entre guillemets, moi, j'ai eu ce truc-là sur Cult of Luna, qui était le dernier concert du festival, l'avant-dernier, avant Marduk. Truc hyper immersif, forcément, un quart d'heure d'un quart d'heure. Tout le monde était claqué.
Les premiers rangs, aucune ambiance, tout le monde dodelinait de la tête, tout le monde était fatigué, n'en pouvait plus. Ça a rendu le truc beaucoup moins prenant que les fois précédentes, même si le concert n'était pas non plus horrible. Ouais. Autre chose, c'est que Cult of Luna, en général, il y a des très beaux jeux de lumière. T'avais signalé que les lights, c'était pas non plus trop ça au Brutal Assaut, ce qui a rendu le truc un peu cheap par rapport à la presta de l'Olympia, par exemple, qui était visuellement magnifique. Là, il y avait ce côté un peu moins, quoi. C'était un peu une fois sans. Ça reste pas horrible. Ouais. Mais globalement, les déceptions qu'on a, c'est pas des déceptions du genre. On se dit c'est une catastrophe, tu vois. Ouais, carrément. Ouais, c'est pareil, il y a Omnium Gazerum, parce que des fois, il me gonfle un peu en live, c'est quand même un peu déposeur. Et en plus, quand la setlist comme là était pas folle, voilà. J'ai quand même suivi le concert de bout en bout, je dirais pas que c'est un mauvais moment, c'est juste des petites déceptions. Enfin, globalement, encore une fois, c'était quand même un festival où c'était quand même très très solide sur les prestas. Ouais. Ouais. Moi, j'ai encore deux petits trucs, c'était. En cours de week-end, il devait y avoir Overkill, et ils ont été annulés pour être remplacés en dernière minute par SDI, qui est un groupe beaucoup plus rare sur scène, qui évolue dans le même style speed trash rétro 80. Et donc je me suis dit, putain, ouais, trop bien, j'ai jamais vu SDI, je vais aller voir ça. Et en fait, bah, c'était rincé. Entre le petit gratteux nouveau qui sait pas où se mettre, et puis les deux vioc restants qui sont complètement ringards, tant au niveau de la communication que de la voix, tout était complètement rincé, et du coup, bah, je suis même pas resté, quoi. Je me suis dit, voilà, encore un groupe, typiquement le syndrome de la reformation inutile, comme on peut en voir au Keep It True à peu près tous les ans. Et sinon, bah, celui qui m'a vraiment le plus déçu du week-end, c'était Possessed, parce que bah, c'est un des concerts que j'attendais, pas le plus, mais c'était une de mes attentes, malgré le fait que je les ai vus au moins 4 ou 5 fois, au Brutal Assault de 2017, je crois. C'était un de mes concerts du festival, alors que pareil, ça faisait plusieurs fois déjà, mais il y avait une ambiance de fou, c'était sous la obscure à l'époque où c'était une tente. Et là, c'était main stage en toute fin de journée, pareil, il devait être minuit, 1h du match, je sais plus. Et plus grand monde sur le site, et puis alors le son dégueulasse, les pires triggers de grosse caisse du festival. Et pareil, les grattes, c'était vraiment hyper brouillon, et alors Jeff Bettira, le chanteur... qui pourtant était grave en forme malgré le fait d'être en fauteuil roulant. Là, il a un œil en moins. Il est hyper maigre. Il est vraiment, on a l'impression vraiment qu'il est très faible sur scène. Ça faisait presque peine à voir. Et il n'a plus du tout de voix, quoi. C'est terminé. J'ai l'impression que là, c'était un peu le chant du cygne. Donc vraiment, malheureusement, assez grosse déception sur Possessed. Ouais. Okay. Juste avant Possessed, moi, j'ai eu Converge, que j'ai pas apprécié plus que ça. C'est difficile à dire pourquoi. Peut-être que l'ambiance aussi, tu vois, t'as les chevilles dans la gadoue. Le set manquait beaucoup de lisibilité, je trouve, parce que Converge, ça enchaîne tout le temps. Tous les classiques en début de set, genre les Axe to Fall, Dark Horses, Concubine. Ce qui fait que la pression retombe tout à très vite. Ouais, exactement, ouais. C'est le sentiment que j'ai eu aussi. Et la communication toujours impec. Des problèmes d'électricité aussi à un moment. Ils ont pris quelques pêches. Mais juste, je sais pas, j'avais pas envie de Converge au moment où il y a eu Converge, et j'étais un peu là, un peu de marbre. Ouais. On peut peut-être dire un dernier mot sur Bellwitch. On peut dire un petit mot sur Bellwitch. Ouais. Je sais pas si c'est une déception, alors moi ça me laisse complètement de marbre. Toi, c'était l'enfer pour toi. Mais je suis resté de l'intégralité du set quand même. T'es resté. 7 notes, 8, bon, 8 notes. Ouais. En fait, le problème de Bellwitch, c'est qu'ils jouent, ils ont leurs deux derniers albums, c'est un titre à chaque fois d'1h20, 1h18, ce genre de choses. Au Roadburn, ils l'ont interprété en entier. C'était hyper immersif, tout ça. Sauf qu'en festival, Bellwitch, ils n'ont jamais 1h20. Donc, ils jouent en fait leur titre, mais ils jouent une face sur deux, quoi. Donc, après, c'est comme une symphonie, vous voyez, c'est en plusieurs mouvements, ils en font plusieurs, ils n'ont pas fait le premier. Le début, c'est 15 minutes d'orgue, comme ça, ensuite, bon, bah, ça part. Et ils ont fait 2-3 mouvements de leur truc et ils se sont arrêtés. Mais en termes de. En fait, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre de couper le... Ah, c'est l'option festival, hein. Souvent c'est le fait que... Tout à fait, ouais, ils peuvent pas faire autrement. En plus, il y a le cadre open air qui est pas non plus idéal pour ce genre de groupe. Ouais. Puis c'était pareil, ouais, c'était à 1h du mat, Bellwitch, 1h du mat. Donc autant dire qu'on a très très peur de la presta du groupe. Au Motocultor, à 14h. En plein jour. C'est ça, ouais. Pour une demi-heure de set, c'est-à-dire 3 notes. Voilà. Voilà pour le côté déception. Ouais, petit sur Church of Misery aussi. Church of Misery, groupe de stoner doom japonais, qui a pour particularité de changer de line-up tous les 6 mois.
les chanteurs sont de qualité variable. Il y avait le mec de Repulsion à un moment, tu sais, Scott Carson. Scott Carson, ouais. Je sais pas ce qu'il a foutu là-dedans. Mais il est grave fan de trucs très lourds, très. Bah, il était dans Cathédrale à un moment aussi. Ah ouais, ça, je savais pas. Et là, ils ont un mec qui est pas incroyable. Pas horrible non plus, hein, ça fait partie comme d'hab des ouais, tout ce qu'on des disait, shows et tout. Petite déception, pas de, mais pas de catastrophe. Pas, mais... pas ouf, ouais. Pas ouf non plus, hein, pas le meilleur show, loin s'en faut de... Alors côté découverte, il y en a eu quelques-unes, pas beaucoup au final. Globalement, il n'y avait pas beaucoup de groupes qu'on n'avait jamais vus. Par contre, il y avait quelques groupes qu'on avait potentiellement jamais vus en live. Moi, c'est mon cas. Il y a eu notamment Zillen Ardor, que j'ai trouvé vraiment bien en live. Je ne m'attendais pas à ça. Sur CD, je sais que ça dépend d'un titre à l'autre. Il y a des trucs qui me plaisent, des trucs qui ne me plaisent pas du tout. Ouais, et d'un album à l'autre. Moi, je sais que j'ai beaucoup aimé le dernier, par exemple, alors que certains ont trouvé que ça dénaturait ce qu'il avait fait initialement et qu'il avait fait connaître, mais bon, c'est comme ça. En live, j'ai trouvé ça plutôt bien. Je m'attendais peut-être à un peu plus le côté gospel cœur qu'on retrouve parfois. Je m'attendais à ce que ce soit un peu davantage mis en avant. Mais ça, depuis The Wall Is Fine, c'est de moins en moins aussi. Hein. Maintenant, c'est plus du métal moderne, un peu. C'est peut-être pour ça que ça m'a parlé aussi, je sais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé ça assez chouette en live. En tout cas, c'était une bonne surprise. Je m'attendais pas à autant apprécier en live. Et le deuxième groupe pour moi, parce qu'il y en a eu vraiment que deux, c'était Skinless. Que je connaissais évidemment sur album, j'avais beaucoup aimé, je pense comme tout le monde, l'album de 2006, mais aussi l'album de la reformation en 2014, si je dis pas de bêtises, ou 2013. J'avais beaucoup aimé, mais je les avais jamais vus en live, et là ça a été une petite claque avec le chanteur d'origine, que j'ai trouvé vraiment vraiment bien, genre hyper dynamique, un peu bien rentre dedans quand même, tu vois, pas très intelligent dans le pit, mais vraiment grosse surprise. Ouais, j'ai adoré aussi, pareil, c'est un de mes grands moments du festival, alors pourtant je les ai vus plusieurs fois, mais c'était clairement le meilleur concert de Skinless que j'ai fait. Les mecs, vraiment rien à foutre, avec des t-shirts Demolition Hammer, Brutality, Origin, vraiment ça faisait trop plaisir. Ils sont arrivés, ils ont déroulé que des deux premiers albums. Ce que j'allais dire, c'est des titres et des early albums. Ouais, cette liste vraiment old school et attitude vraiment au top. Sherwood, il était là, il arpentait la scène de long en large, il sautait, il mettait des high kicks et tout. J'ai été surpris qu'il saute d'ailleurs, parce que je m'attendais à ce que ce soit pas possible ou qu'il passe à travers les planches de la scène obscure, mais manifestement non, ça tient la route. Non, c'est bon. Non, c'était vraiment une belle découverte en live en tout cas. Très bon show, ouais. Et sur la même scène, en death metal, je suis le premier surpris, mais I Am Morbid, donc le faux Morbid Angel de David Vincent. Et de Sandoval. Et surtout de Sandoval, en fait, j'avais oublié qu'il était là, mais il est revenu là. Pas très longtemps, et du coup c'est quand même une bonne moitié de Morbid Angel sur scène, quoi, des quatre premiers albums en tout cas, et du coup cette liste uniquement orientée old school, donc Covenant quasiment en entier, et beaucoup de morceaux de Altars of Madness, Blessed Are the Sick, un petit peu de Domination, cette liste vraiment au top, son excellent, David Vincent qui est pas aussi insupportable que d'habitude, il n'y a plus de « wow » pendant les chœurs, ou alors de déhanchés horribles sur certains passages. Il fait très bien. Ou de chapeau de cow-boy, parce que ça aussi, ça c'était un de ses grands trucs. Il a quand même mis son morceau de country à la fin. Il est quand même parti sur son putain de truc de country, mais en tout cas, le set en lui-même était quand même étonnamment bon, pour une fois, avec Sandoval qui joue du Morbid Angel, ça je suis quand même très content de revoir ça. Et le gratteux de gauche, de droite, c'était le sosie de Danzig, par contre. J'étais vraiment j'étais impressionné, mais c'est qui celui-là? Et du coup, voilà, une bonne surprise du festival. Et surtout, alors, je vais te laisser parler du tien, et après... Ouais, moi, j'ai découvert LLNN, qui est un groupe que je suis depuis quelques mois, qui est une sorte de truc de post-metal sorti chez Pelagic, beaucoup plus agressif que ce que fait Pelagic en temps normal, c'est-à-dire les hippos au tractor, les trucs un peu comme ça. Là, on a du riffing qui va plus du côté de Bon Gripper, avec un chant bien teigneux. Ouais. C'est des Danois, si vous êtes un peu friand de... Avec des têtes d'anglais, d'ailleurs. Ouais, franchement, ils te disent pas qu'on est Danois, on devine jamais qu'ils sont du Danemark. Ah, gros, enfin après, c'est des peuples, il fait plus de 25 degrés, tu sais pas trop ce qui va se passer, ils vont un peu fondre comme ça. Le show était pas exceptionnel. Une demi-heure, 35 minutes, quoi, mais ouais, show de base. Mais l'album est vraiment Unmaker, est vraiment super, super cool. Et si vous avez l'occasion d'écouter ça, c'est vraiment chaudement. Ouais. Et puis voilà, pour finir, moi, c'est quand même, c'est pas vraiment un groupe en particulier, mais il y a eu quelques petites exclusivités pendant ce festival. Premièrement, il y a eu beaucoup, beaucoup de reprises de Motorhead pendant le week-end. Je sais pas ce qui s'est passé, s'il y a un anniversaire ou quoi, mais... On a eu un concert quasi complet. Mais ouais, c'était entre la fin de Exciter, une fin de set excellentissime, avec que des vieux morceaux des trois premiers albums, et pour finir, Iron Fist, en reprise, complètement inattendue. Là, tous les mecs qui connaissaient pas les morceaux d'Exciter, ils se sont ramenés dans le pit
pour chanter, ça faisait plaisir. Pareil, Christian à la fin qui reprend Ace of Spades. J'ai pas compris. Pourquoi, Pourquoi j'ai, du coup, ouais, c'est pareil d'autres groupes aussi, apparemment, qu'on m'a dit qui ont repris. Sodom a pas fait la sienne. Alors qu'ils auraient, Sodom aurait dû, c'est vrai. Ouais. Mais voilà, donc il y avait ça. Il y a eu aussi, pendant le set de Benediction, le groupe de Death Old School anglais, il y a eu une petite exclusivité, puisque donc, le chanteur, c'est Dave Ingram, le chanteur historique des albums des années 90. Il s'était barré. Et il est revenu dans le groupe là il y a 2-3 ans. Mais entre-temps, c'était le chanteur de Anal Natrak qui assurait le chant. Et du coup, vu qu'il y avait Anal Natrak le même jour, et ben, le chanteur d'Anal Natrak est venu en co-chanteur avec Dave Ingram sur scène pour chanter Subconscious Terror à la fin, premier album. Et c'était vraiment une grosse exclue, on n'a pas vu venir ça. Et enfin, il faut mentionner quand même la présence de Dan Lilker sur le festival. Je sais absolument pas ce qu'il foutait là. Présent, c'est avec un grand P, puisqu'il était partout. Ouais, il était vraiment partout, et à la fois nulle part, s'il avait pas de groupe avec qui il jouait ce week-end-là. En revanche, il est venu taper des guests, mais dans plein de concerts. Du coup, je l'ai vu sur le côté de Dayside. Bon, il est pas venu, mais il était là. À côté de Converge, il était là. Je vois le chanteur Jacob Bannon, il fait vous voyez ce mec à côté là? Eh ben, ça fait plaisir qu'il soit là. Putain, il y a Dan Lilker, qu'est-ce qu'il fout là? Et effectivement, il est venu pendant Pro Max. Il est venu alors sur Riot God, c'est sur Sister Fucker, ouais, bien sûr. Il est venu à la basse et il est venu aussi pendant Pro Max à la fin sur le dernier morceau Hard Times en plus. Et du coup, Harley a lâché la basse et il est venu uniquement au chant, il est descendu dans la fosse et tout. Et donc ouais, ça fait grave plaisir. Dan Lilker, pour ceux qui le connaissent pas évidemment, c'est un très très grand bassiste des années 80 en métal. Il a été dans Anthrax, il a été dans Brutal Truth surtout, il a été dans Nuclear Assault, c'est son groupe principal. Mais il a fait aussi plein de featuring vraiment partout. Il a été dans Stormtroopers of Death aussi. Enfin, vraiment, c'est une institution dans ces groupes-là, années 80. Bah là, c'était un featuring institutionnalisé quasiment. Il était sur l'obscur à demeure et il intervenait dès qu'on pouvait. Tu vois, il aura fait quasiment un show en entier à force d'avoir fait des guests partout. Quoi. C'était vraiment, vraiment stylé. Ouais. Non, pour ça, c'était un bon fest. Il y a eu peu de découvertes, encore une fois, parce qu'il n'y a pas de groupe qu'on ne connaissait pas ou autre. Mais il y a eu ce côté. À 150 groupes, en fait, tu fais que le nécessaire. Tu vois, et c'est aussi ça. Mais il y a quand même eu quelques petites pépites, soit des découvertes live, soit des sets spéciaux ou des choses comme ça qui valaient vraiment le détour. Globalement, vous l'aurez compris, c'est un festival qu'on recommande. En fait, c'est un festival qui, dans son approche, est un peu contradictoire. Dans le sens où il est à la fois super reposant, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour que les gens se sentent bien, et à la fois il est quand même physique. Je connais pas beaucoup de festivals de métal dont le dernier concert finit à 3h. Quasiment 3h. Il y a un volume de jeu qui est comparable à celui du Hellfest. Le Hellfest c'est 10h30, 2h. Voilà, c'est plus là c'est 11h30, 3h. En parallèle, c'est aussi un festival qui centralise beaucoup de gros de types qui tournent énormément. Et par exemple, si vous êtes dans des régions de France où il n'y a pas beaucoup de concerts, franchement, vous faites deux Brutal Assaut. Vous avez vu tout ce qui tourne très régulièrement en métal extrême et vous pouvez assez vite remplir votre Pokédex. Clairement, oui. L'affiche était assez riche, objectivement, et même si ça reste toujours dans les genres extrêmes, je trouve que ça ratisse quand même suffisamment large pour que tout le monde y trouve. Tu vois, ouais, tout à fait, ça va du Deathcore au Funeral Doom, en passant par le Thrash, le Black, le Death. Exactement, c'est-à-dire que là, t'avais quand même une affiche où... quand un peu comme toi t'aimes bien le death hyper old school, les choses comme ça, tu trouvais quand même de quoi te mettre sous la dent. Et quand t'étais dans le prisme plutôt death moderne comme moi, avec du deathcore, du metalcore, t'avais énormément de choses à regarder. C'est aussi vrai, c'est très varié. C'est ça, et ça te permet quand même du coup de découvrir des trucs ou d'aller dans des zones qui sont pas forcément ta zone de confort, ou globalement par exemple au Hellfest tu ferais pas l'effort d'y aller, alors que là tu le fais parce que les scènes sont agréables, aussi de la synthwave, la noise et tout, c'est vraiment assez ouvert comme truc. Et tout en vraiment arrivant à se protéger de tous les trucs un peu putassiers sur lesquels des festivals concurrents se positionnent. Ouais. Le Motoc notamment sur les trucs de type Hellstorm, ouais, machin, tout ça, ça dégage, ça n'a pas lieu d'être. Exactement. Et ça fait quand même relativement. C'est pour ça que l'affiche était assez belle. C'est quand même assez récurrent. Hein. Le son était exceptionnel. Franchement, ça, j'insiste dessus, mais pour moi, c'est vraiment rare d'avoir un son aussi bon sur autant de concerts, avec ou sans protection auditive d'ailleurs. Donc ça, c'était vraiment un point positif. Et moi, le deuxième point, c'est vraiment la qualité de l'orga. Je sais qu'il y a des points un peu négatifs qu'on a mentionnés, mais globalement, c'est un festival qui est hyper agréable malgré tout. Même si tu fais des kilomètres, etc. J'avais vraiment peur que ce soit pas le cas. Et in fine, le nombre de fois, on s'est retrouvé au Bastion tranquillement, au calme entre deux concerts, puis on repartait enchaîner les scènes, etc. Les journées sont passées très vite sans être vraiment harassantes comme peuvent l'être les journées dans certains festivals. Donc ça, c'est vraiment un point hyper positif. C'est vrai. Après, le public...
ça attire un peu de tout. C'est vrai que c'est, on est dans cette espèce d'entre-deux, entre un public assez mainstream et un public très old school, donc forcément, il y a des concerts où la fosse se prête à ce qui est joué, et d'autres où, où ça s'y prête moins. Encore une fois, je le redis, mais les Circle Pit, c'est vraiment, enfin, faut arrêter, quoi. Les mecs, ça fait que ça, c'est vraiment insupportable. Mais globalement, ça va. C'est pas, on n'est pas sur la, la danse des canards comme au Motoc. C'est, c'est pas le pire du métal, quoi, clairement. Ouais, ouais. Non, non, c'était quand même... Et donc effectivement, en tout cas, c'est un festival qu'on, qu'on vous recommande chaudement, qui vaut vraiment le détour. A fortiori, si vous faites, comme ce qu'on avait dit d'ailleurs dans la vidéo festival sur, le, sur les festivals dans Vivement Dimanche, quasiment tout le monde a fait 2 ou 3 jours à Prague ça, avant. Vous êtes à 1h30 de Prague, Prague c'est super comme exactement, comme donc ça peut tout à fait s'incorporer dans vos vous vacances. Vous allez en Pologne aussi. Ouais, c'est pas loin de Cracovie, c'est juste c'est à côté. Ça, vous allez à Varsovie directement, vous aussi, prenez le bloc et vous, vous redescendez. Donc c'est vraiment un point très positif. Le dernier point, c'est qu'il y avait eu des petits débats à Jaromer, hein, parce que, là où c'est placé en République tchèque, parce qu'il y avait un nouveau maire qui avait été élu, et il y avait un peu des débats sur est-ce qu'ils vont pas remettre en cause le Brutal Assaut, etc. Manifestement non, donc on sait qu'a priori ça devrait être pérenne, sauf simplement on constate de chaque d'année en année que le camping, il y a de plus en plus de restrictions, que le stationnement, etc. Donc on sait que de fait, vu la taille de la ville, c'est un festival qui va peut-être être amené à évoluer marginalement, on sait pas dans quel sens en tout cas, mais encore une fois, on vous le recommande vraiment très fortement tous pour aller découvrir un peu, surtout dans les genres extrêmes. C'est vraiment un festival qui vaut le détour. Ouais. Mais calmez-vous quand même, parce qu'il y a déjà... Il y avait déjà beaucoup de Français, effectivement. Exactement. Il y a déjà... En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis sur ce nouveau live report. On espère que ce, nouveau, enfin, ce format typé podcast vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, et à parler français avec nous au Brutal Assaut. Et à parler français, exactement. Et à très vite sur la chaîne Hands Up. Question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Je vais faire de tout cet oseille, je vais faire de tout cet oseille. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille?